discrètement, vois-tu. On peut voir ce qu'il y a dans les choses. L'âme du chat, du chien, de l'eau et du feu. Je vous donne ce que j'ai de mieux pour trouver l'oiseau. Et le diable rouge qui s'en mauvais. Chut! Ne parle pas si fort. C'est l'âme du feu et un mauvais caractère. Et ce fil bruisselant de chevelet. C'est l'âme de l'eau qui sort de son robinet. Voici encore l'âme du chien qui court après la chatte. Ces deux-là sont insupportables. Moi, j'accompagnerai les enfants. Oui. Moi aussi. Voilà qui est mieux. Du reste, il est trop tard pour reculer. Nous partirons tous ensemble. Toi, le feu. Ne brûle personne. Théo. Ne taquine pas la chatte. Et prends la cage, tu en auras la garde. L'eau. Tiens-toi droite et ne coule pas de partout. Lumière, éclaire-nous le chemin. Allons, en route! Nous autres, animaux, éléments, nous possédons une âme que l'homme ne connaît pas. C'est pourquoi nous gardons un reste d'indépendance. Mais si l'homme trouve l'oiseau bleu, il saura tout. Il verra tout et nous n'aurons plus qu'à disparaître. Il faut donc empêcher les enfants de trouver cet oiseau, même au péril de leur vie. Il faut que l'enfant disparaisse avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'il dit? As-tu du m'étendre, vieux tas de bois? C'est le chien, il insulte les chaînes. Le chien? On l'expulse. Je vais te déchirer tes pantoufles de mousse, bois moisi. Pas mort pour de vrai. Qu'est-ce que tu dis? Alors, vous n'êtes pas mort pour de vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, vous n'êtes pas mort pour de vrai. Comprends plus ce langage.